consacré ou bien dédié au troisième atelier à travers lequel vous allez commencer à diffuser votre cours sur la plateforme Télum de Constantine. Normalement, vous avez des espaces de conception sur la plateforme, donc vous pouvez diffuser dès maintenant vos cours sur la plateforme. Vous avez un guide, bien évidemment, qui va vous, c'est-à-dire qui va vous accompagner durant la mise en place ou la mise en ligne de votre cours. Il y a des vidéos, pardon? Oui, non, il faut déposer le cours pour lequel vous avez déjà conçu votre carte mentale, vous avez, c'est-à-dire le cours conçu ou produit par Opal. Sauf qu'il y a une remarque très importante, c'est que les vidéos déposées, c'est-à-dire les vidéos d'aide ou les ressources d'aide pour la maîtrise de la plateforme, sont sur la base de l'ancienne plateforme. Donc, vous allez trouver de légères différences. Mais j'ai mis à votre disposition sur la plateforme, d'ailleurs j'ai envoyé déjà à quelques collègues qui ont rempli le formulaire, un guide pratique qui va vous montrer à peu près la légère différence entre l'ancienne et la nouvelle plateforme. Donc à partir de cela, à partir de cet atelier, vous pouvez donc dès maintenant commencer à réaliser, je pense, il y a 8 EP, 8 activités. Et les 8 activités vont vous permettre, c'est-à-dire de s'imprégner mieux dans la conception via la plateforme Télum. Ceux qui ont déjà des espaces de conception pour le S1, c'est-à-dire ils ont travaillé peut-être avec la crise et la pandémie, ils ont travaillé sur la plateforme, ils ont déposé peut-être des PDF. C'est pas la peine d'effacer donc le contenu du premier espace, donc il faut demander un autre espace. Parce que pour chaque matière, il y a un espace. Pour chaque matière, c'est-à-dire si l'enseignant assure le cours, le TD, le TP, il peut utiliser un seul espace. C'est-à-dire cours TD, TP. Maintenant, s'il assure le cours, ben, S2, il assure un autre cours, un autre TP, là, il doit avoir deux espaces. Donc, parce que vous allez réutiliser vos espaces à partir de l'année prochaine. Donc, ce n'est pas la peine de. Ce qui est important également, c'est que par rapport aux années passées, et vous allez constater ça lors de vos activités, cette nouvelle plateforme est dotée de divers, en quelque sorte, de divers plugins, de divers types d'activités. C'est-à-dire les plugins, vous allez trouver bon, les promos passées, donc il n'y avait que des devoirs, des tests. Maintenant, par exemple, si vous allez insérer un test, vous allez voir ça. Je peux dire que pour toutes les spécialités, que ce soit les spécialités techniques, sciences humaines, les langues, la chimie, sciences exactes, les maths, les géologies, il y a des activités propres à. Vous allez trouver des tests pour l'algèbre, vous allez trouver des tests pour le traçage de la géométrie, vous allez trouver des éditeurs. Pour les molécules, il y en a ceux qui font la chimie, vous allez trouver des systèmes qui existent déjà, Open Physics pour ceux qui font de la physique, et ainsi de suite. Donc elle est très riche et vous pouvez l'utiliser d'une manière rationnelle. On va essayer également, donc, peut-être les 2 jours à deux, d'ajouter une activité qui est très importante. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé à M. Fers, le directeur de CNAV, de vous faciliter la tâche afin de faire des enregistrements audiovisuels pour des vidéos. Ce nouveau plugin qu'on va l'installer va vous permettre d'insérer une vidéo et puis ajouter des QCM, des tests à votre vidéo. C'est-à-dire, l'étudiant va consulter la vidéo à un moment donné, à un temps X. Donc, la vidéo s'arrête, il ne peut pas donc continuer la consultation, pardon, la visualisation de la vidéo qu'après avoir répondu à une certaine question. D'accord? Donc, là, on va l'ajouter incessamment, donc les 2 jours, là, donc, Inch'Allah. Donc, les thèmes de cet atelier, donc il y a trois thèmes, trois principaux thèmes. Donc, tous les thèmes s'inscrivent autour de méthodologie de conception des formations pour un enseignement hybride. Le deuxième thème, donc le premier thème, vous allez être capable en quelque sorte
de concevoir, d'apprendre les méthodes de conception d'un dispositif de formation à distance. Vous avez déjà élaboré lors de vos premiers ateliers, donc vous avez eu la chance d'apprendre comment concevoir, scénariser, concevoir un cours, un seul cours. Maintenant, vous allez apprendre comment concevoir tout un dispositif de formation à distance. Quelles sont les étapes à suivre? Et puis, le thème 2, ça sera autour de la conception d'un scénario d'apprentissage. Comment l'apprenant va apprendre la conception d'un scénario d'apprentissage. Et on finalise, inshallah, avec quelques notions sur les technologies éducatives qui existent actuellement. Les étapes de conception des dispositifs de formation pour un enseignement hybride. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, il y a une réflexion. Donc, vous avez déjà conçu votre cours. Maintenant, si vous avez des collègues ayant conçu également des cours s'inscrivant dans la même formation, c'est-à-dire que, par exemple, il y a deux, trois électrotechniciens qui enseignent la même spécialité, le même niveau. Donc, quelqu'un, il a mis, par exemple, le cours électronique de puissance, l'autre, il a mis, par exemple, le cours sur les réseaux électriques, l'autre, pardon, l'autre, il a mis, par exemple, un cours sur les microprocesseurs. Maintenant, ils veulent en quelque sorte sortir avec un dispositif de formation à distance. D'accord? Donc la question, comment on voit l'interdépendance, c'est-à-dire l'interdépendance entre votre cours et les autres. À votre avis, comment on voit ça? Donc l'interdépendance, c'est que comment utiliser les différentes matières conçues par les collègues de la même spécialité, du même niveau, pour concevoir tout le dispositif de formation à distance. Je fais par exemple une matière avec les L3 électroniques. Il y a des collègues qui font des matières différentes avec la même discipline, le même niveau, les mêmes étudiants. On va essayer de se mettre d'accord pour mettre toute la spécialité à distance. D'accord. D'ailleurs, c'est le cas de l'UFC, l'Université de la formation continue. Ils ont lancé, ça avait belèque même pas 2, 3 mois, les formations, un ensemble de formations, master et licence à distance. Licence anglais, master, je pense, en droit. Il y a même le réseau sécurité et réseau. Donc, ce sont des formations à distance. Donc, il n'y a pas la notion d'hybride dedans. Et pour qu'on puisse définir une formation, concevoir une formation à distance, il y a un professeur en sciences de l'éducation qui travaille beaucoup plus dans les technologies éducatives de l'Université de Mons, c'est le professeur donc Dipover, qui a mis en clair, en quelque sorte, une notion très importante, qui s'appelle le design incrémental. Incrémental, c'est l'incrémentation, la chose qui s'incrémente. D'accord? Le design incrémental. Et le design incrémental, c'est quoi? C'est un ensemble, en quelque sorte, de questions qui vont permettre d'orienter le dispositif de formation, ou bien la conception du dispositif de formation. Donc, pour vous, par exemple, on dit par exemple, nous allons concevoir ou nous voulons concevoir une formation, toute une formation à distance. Il y a un ensemble de questions qui vont intervenir en quelque sorte. Donc, la première formation, ce qui est sûr, c'est une question centrale. À qui s'adressera cette formation? C'est-à-dire le public cible. On va concevoir cette formation pour qui? Pour des universitaires, pour des L3, pour des élèves de scolaires. Qui sont ces? Le deuxième, dans quel contexte? Est-ce que c'est un contexte universitaire ou bien scolaire? Toutes ces questions vont vous permettre ou vont nous permettre d'orienter le processus de conception. Par exemple, une question, quels sont les bénéfices? Les bénéfices pour l'université, quel bénéfice va
en quelque sorte, tirer cette université en lançant une formation à distance. Si vous prenez, par exemple, l'UFC, je ne sais pas quels sont les bénéfices tracés, mais je pense que l'UFC, c'est un organisme qui donne des formations donc payantes. Peut-être le bénéfice, c'est répondre à la massification, c'est-à-dire à la demande des citoyens qui veulent tous accéder à l'UFC, donc répondre au problème de massification. Et bien évidemment, ça peut être comme ressource financière. Il y a une autre question peut-être, c'est quelles compétences? Quelles sont les compétences installées? Comment peut-on installer ces compétences? C'est-à-dire quel est le scénario? Quelles sont les méthodes? Quelles sont les activités à mettre en place? Et le contenu? Comment choisir le bon contenu? Donc toutes ces questions qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle le design incrémental vont orienter le dispositif ou la conception du dispositif à travers cinq principales étapes. Donc, ces principales étapes, pardon. Donc, il y a la première étape, c'est une étude préalable. Et l'étude préalable va nous permettre de dégager, de faire sortir un schéma directeur, c'est-à-dire un schéma qui va diriger la conception. Après l'étude préalable, on passe à l'analyse et la structuration des contenus. Et à partir de cela, on va avoir un cahier de charge, bien évidemment en s'appuyant sur le schéma directeur. Donc chaque étape va servir la prochaine étape. La troisième étape, c'est l'élaboration des scénarios pédagogiques et interfaces. Quel scénario pédagogique à suivre? Quelles sont les interfaces à concevoir? Et puis la conception des supports multimédia, s'il s'agit des supports, par exemple, si vous allez, par exemple, utiliser des vidéos, par exemple, pour votre formation à distance, et les supports multimédia, on va aller, par exemple, au centre de l'audiovisuel de l'université pour concevoir ces supports multimédia. Bien évidemment, vous aurez besoin d'aide des gens qualifiés dans le montage des vidéos, dans la conception des multimédia, et ainsi de suite. Et puis, à la fin, c'est la production et l'insertion. Donc, vous allez produire votre dispositif de formation. On commence par la première étape. Donc, la première étape, elle est autour de trois points principaux. Principaux, pardon. Donc, le premier point, c'est l'analyse des besoins. Quels sont les besoins? Et à travers l'analyse des besoins, on va voir ça, on peut tracer, on peut en quelque sorte prévoir les contraintes. Et puis, vous allez passer à ce qu'on appelle l'idée mobilisatrice et les conditions d'insertion. Donc, si on commence par l'analyse des besoins, l'analyse des besoins se fait, c'est-à-dire nous voulons savoir quels sont les besoins de notre département, ou de la société ou de notre université par rapport à la formation qu'on est en train ou bien qu'on a proposé à concevoir. Donc l'analyse des besoins se fait par deux méthodes principales, soit par un questionnaire de 3 à 5 niveaux, à 5 échelles, soit l'interview. Et si on parle de l'interview, il y a deux types d'interview. L'interview à réflexion parlée, donc il n'y a pas de questions préalablement préétablies. Donc, vous allez discuter avec vos collègues, avec un chef département, avec un responsable de spécialité, et vous allez guider vous-même donc la discussion pour pouvoir tirer les points forts et les points faibles sur lesquels peut se reposer votre formation. La deuxième étape, ou le deuxième type d'interview, c'est une interview à travers un formulaire préétabli. Pourquoi on fait l'interview à travers un formulaire préétabli et quelle est la différence par rapport à un questionnaire? Généralement, vous aurez besoin de quelques informations essentielles qui peuvent vous diriger ou qui peuvent vous mettre en clair
par rapport à la réalisation, par rapport au montage, par rapport à l'orientation de votre dispositif de formation. Et cette information précieuse, cette information centrale, généralement se trouve chez le premier responsable. Malheureusement, le premier responsable a des préoccupations. Donc, si vous allez donner à ce premier responsable un questionnaire, bien évidemment, il va accepter de le remplir, mais à travers sa charge, donc peut-être il ne peut pas répondre à vos attentes quant au temps. C'est-à-dire, vous voulez que votre questionnaire soit, ou vos résultats soient au jour J, peut-être le premier responsable a des préoccupations et il va oublier en quelque sorte, ou là, il ne peut pas répondre à vos attentes. Si vous allez utiliser donc l'interview à réflexion parlée, ce n'est pas évident d'aller chez un haut responsable et de rester, de discuter pendant 1 heure, ce n'est pas évident. Donc, il est préférable pour un premier responsable, un haut responsable, d'établir ou d'essayer de prendre un rendez-vous pour une interview avec des questions préétablies. Donc, vous allez dire question 1, question 2, question 3, et l'interview va vous servir par la suite de définir les champs de votre questionnaire. C'est-à-dire, vous n'allez pas directement penser au questionnaire, vous allez essayer d'orienter la discussion, et puis par la suite, vous allez concevoir votre questionnaire, que vous allez le mettre pour le large public, afin de tirer profit de tous les résultats issus des statistiques. C'est clair, on va essayer de faire un jeu. D'accord. Vous êtes appelé à proposer une formation en ligne pour le secteur sanitaire, secteur de santé. À cet effet, vous devez avoir certaines informations sur ce secteur auprès du directeur de la santé. Directeur de la santé. Que préférez-vous utiliser? L'interview à réflexion parlée, l'interview avec questions préparées préalablement ou bien un questionnaire? Je commence. Qui a dit questionnaire? Autre alternative. On a dit qu'avec un directeur de la santé, donc c'est un haut responsable, donc c'est la deuxième, c'est... D'accord. C'est l'interview avec des questions préparées. Le deuxième point principal, c'est l'idée mobilisatrice. C'est une démarche proactive ou initiée par l'équipe de formation. C'est-à-dire, le but, c'est de concevoir une formation à distance. Vous allez demander une interview avec le premier responsable ou avec quelques responsables. Ce qui est sûr, peut-être à 90%, vous n'allez pas trouver que le premier responsable ou les ses responsables ont des connaissances sur l'intégration, l'introduction des TIC dans l'enseignement. Ils ont donc la matière, ils savent c'est quoi la pédagogie, c'est quoi les contenus maintenant. L'introduction, quel est le but de l'introduction de l'information des TIC dans l'enseignement, quel est l'avantage principal de l'enseignement à distance, quels sont, donc, ce ne sont pas des experts. Vous-même, vous allez essayer de diriger, ou bien de booster, ou bien de convaincre le premier responsable c'est-à-dire d'adopter cette nouvelle pratique pédagogique, cette nouvelle technique d'enseignement, cet enseignement à distance. Comment le booster, comment le convaincre? Il faut avoir, il faut lui présenter, il faut essayer de cristalliser le projet, de cristalliser ses idées autour d'une idée forte. J'ai aidé déjà, par exemple, pour l'UFC, l'idée, par exemple, c'était répondre au problème de massification. Bon, ça, c'est une idée. Êtes-vous avec moi? Non? D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle l'idée mobilisatrice. En quelques mots, il faut convaincre celui, ou bien le commanditaire, celui qui va adopter cette nouvelle
pratique. On essaie de faire un autre jeu dans le cadre de la proposition d'un master à distance. Vous êtes appelé à définir un thème porteur afin de convaincre votre haut responsable par votre projet. Laquelle, parmi les propositions suivantes, peut être qualifiée comme idée mobilisatrice? Il y a plusieurs réponses, c'est-à-dire lesquelles parmi les propositions. Je commence par la première. Résolution du problème de massification face au souci de place pédagogique. Est-ce que vous voyez que c'est une idée, c'est un thème porteur? Master à distance pour répondre aux attentes des étudiants faibles. Oui ou là, non? Pardon? Très bien. Master à distance, une innovation technopédagogique pour une meilleure visibilité. Visibilité, c'est-à-dire pour l'université, pour avoir un rang. Voilà. Master à distance comme source de financement des établissements universitaires. Master à distance, de nouvelles compétences pour le développement du pays. Oui ou le non? Oui, pourquoi et non, pourquoi? Now de la phrase. Master à distance, de nouvelles compétences pour le développement du pays. Oui ou non? C'est-à-dire, il faut savoir que le master à distance, ce n'est pas une formation dédiée uniquement pour les nouveaux bacheliers. Ça rentre dans la formation continue. C'est-à-dire, ceux qui travaillent, ceux qui ont déjà les postes d'armes, peuvent rejoindre ce master à distance. Non. Vous dites rien, ni oui, ni non. Qui dit oui? Non. Neutre. Master à distance, une solution pour l'absentéisme. Si vous me permettez un autre rendez-vous, je vous présenterai l'intérêt de ce master. Donc la première, c'est vrai, c'est un thème porteur parce qu'on peut répondre à un problème de massification. Vous savez tous que le problème de massification existe pratiquement dans tous les établissements universitaires, que ce soit nationaux ou bien internationaux. Pour répondre aux attentes des étudiants faibles, non. Le master à distance, une innovation technopédagogique pour une meilleure visibilité, oui, parce qu'il y aura beaucoup d'accès au site, donc il y a une visibilité. Source de financement, oui. De nouvelles compétences, parce que ceux qui ont été déjà, c'est-à-dire ceux qui occupent des postes donc, dans les entreprises, veulent avoir de nouvelles compétences pour pouvoir développer donc, le service donc, offert au niveau de l'entreprise. Une solution pour l'absentéisme, non. Permettez un autre rendez-vous, non. Il faut le convaincre dès la première rencontre. Non. Oui, tfadli. Naoud nwelli. Quel est le problème? Non, on n'a pas validé la cinquième. Deuxième point, c'est les conditions. Quelles sont les conditions d'insertion? Quelle est la population visée? Quels sont les bénéfices attendus? Donc, les conditions d'insertion. Donc, vous allez insérer, vous allez mettre en place un master à distance. Bien évidemment, vous aurez à définir les conditions d'insertion. C'est-à-dire, entre parenthèses, comment peut-on assurer la réussite de ce master? Ce qui est sûr, il faut avoir des conditions. D'accord? Donc,
Par exemple, quant au matériel à utiliser, quel matériel à utiliser? Est-ce que ça nécessite des connexions permanentes? Est-ce que ça nécessite que chaque apprenant doit avoir un laptop? Est-ce que ça nécessite, par exemple, une salle informatique au sein de l'assiette universitaire équipée d'une connexion Internet? Est-ce que ça nécessite, par exemple, que, par exemple, l'accès au campus soit 24 heures sur 24 heures? Donc, vous allez essayer d'analyser les conditions d'insertion pour pouvoir positif en ligne. Les modalités d'accès, comme j'ai dit déjà, donc l'accès libre ou restreint. Modalités pédagogiques. Est-ce que vous allez travailler, c'est-à-dire vous allez opter pour un travail par groupe? Si oui, est-ce qu'il y a des lieux pour un travail? Est-ce qu'il y a des lieux à dire, c'est-à-dire le contexte d'usage? Est-ce que c'est une formation universitaire ou bien scolaire? Quel est le type, continu ou la formation académique, initiale plutôt? Donc, tous ces éléments vont vous permettre, parce que vous allez dire, vous allez poser, vous allez préparer le questionnaire, il existe ça, il existe ça, il existe ça, et à travers cela, pardon, à travers cela, vous allez dégager les contraintes. Par exemple, parmi les choses, vous allez trouver lors des réponses que l'accès au campus s'arrête par exemple à 18 heures. Ça, c'est une contrainte, par exemple. Alors que la notion d'une formation à distance, c'est qu'il n'y a pas de contrainte ni géographique ni temporelle. Il n'y a pas de contrainte. Maintenant, si l'accès au campus s'arrête à 18 heures, donc c'est une contrainte. Donc la solution, vous allez dire par exemple, est-ce que les résidences universitaires sont dotées de salles informatiques, de connexions? Donc vous allez essayer de trouver donc des alternatives pour pouvoir réussir votre conception, votre proposition. D'accord? Le public cible, c'est une chose très importante, beaucoup plus la formation continue, parce que la formation initiale pour vos étudiants, on sait qui est le public cible. Mais par rapport à la formation continue comme cette formation-là, il faut savoir qui est le public cible. Parce que la question d'âge, ou bien l'âge, c'est une question centrale dans la formation, dans les technologies éducatives. Quelqu'un, c'est-à-dire ce qu'on appelle digital native, c'est-à-dire les enfants qui ont grandi avec les nouvelles technologies, donc maîtrisent parfaitement ces nouvelles technologies. Donc, vous donnez un smartphone un enfant de 3 ans, donc il le manipule facilement. Ceux qui ont 50 ans, 60 ans, par exemple 55 ans, n'ont pas vraiment une parfaite maîtrise par rapport à, des fois, le problème de spécialité. Des fois, ceux qui font les sciences humaines et ainsi de suite ne maîtrisent pas parfaitement la chose. Donc, il y a l'âge. Il y a le niveau d'études. Si vous allez, ou là vous aurez à concevoir une formation continue pour le secteur sanitaire, quelqu'un, par exemple, qui occupe le poste chef de service, par exemple, il y a un ingénieur, par exemple, ou il y a une licence fine matière, c'est pas kiff-kiff pour quelqu'un qui a que, par exemple, le bac, ou il y a quelqu'un qui n'a pas le bac, ou il y a un niveau moins. Donc, c'est pas kiff-kiff. La spécialité elle-même, on a déjà discuté de ça. L'expérience professionnelle, si vous voulez faire une formation sur, par exemple, la maintenance, une formation à distance sur la maintenance des équipements médicaux, par exemple, ceux qui ont une longue expérience dans l'utilisation des équipements médicaux, c'est pas kiff-kiff par rapport à ceux qui ont une expérience minime. Les bénéfices attendus, donc il y a deux approches, il y a l'approche top-down et l'approche bottom-up. Top-down. L'approche top-down, c'est une approche, c'est-à-dire l'initiative vient de la tutelle en quelque sorte, pour application un peu plus bas. Et à partir de cela, par exemple, si on efface. C'est-à-dire, on reçoit par exemple, comment dirais-je, une instruction, il faut lancer un master à distance.
Pour vous, ça dire lancer un master à distance, vous qui avez déjà appris la chose comment concevoir, vous allez essayer de définir quels sont les bénéfices. Et pour vous, ce sera un peu difficile parce que ce n'est pas vous l'initiateur. Par contre, si l'approche vient donc bottom-up, vous êtes l'initiateur. Vous allez dire que nous allons définir un master à distance pour les L3, par exemple, électrotechnique, puisque c'est votre initiative. Donc, vous pouvez facilement définir les bénéfices attendus. Donc, ça, c'est les deux approches différentes. Si je prends, par exemple, le premier exemple, la formation au TIC pratique pédagogique, cette formation elle-même, a été initiée par l'UFMC depuis 2012. Puis, elle a été proposée pour une généralisation dans le but de développer des compétences à l'échelle nationale. C'est une approche bottom-up parce qu'elle a commencé par l'université. D'accord? Et les bénéfices, bon, c'est facile à faire, permettre une interaction permanente entre l'enseignant et l'étudiant, la participation de l'enseignant aux manifestations séjour sans contrainte, permettre à l'enseignant d'enrichir son dossier professionnel et ainsi de suite. Si nous prenons par exemple l'accompagnement pédagogique, c'est-à-dire les 22 thèmes. Les 22 thèmes, c'est une approche top-down, parce que le thème de TIC pratique pédagogique rentre dans les 22 thèmes. Vous allez suivre 22 thèmes de formation. Les 22 thèmes ont été tracés par l'article, par l'arrêté 932 qui a été proposé ou qui a été envoyé par la tutelle. Faites cette formation, faites cet accompagnement pour les nouvelles recrues. Donc, c'est une approche top-down, ce n'est pas évident de tracer vous-même les bénéfices attendus. Bon, on peut citer quelques bénéfices qui ont été mis en place ou bien tracés dans cet arrêté, mais vous-même, vous ne pouvez pas voir exactement les bénéfices attendus parce que vous n'êtes pas ceux qui ont initié la formation. Dans top, bottom up, hein. Hein. C'est l'université qui a ciblé, qui a tracé les bénéfices. Top down, elle vient du haut, c'est-à-dire c'est la tutelle, c'est le ministère, c'est la tutelle. Si je parle par exemple dans un cadre plus étroit, plus restreint, je compare par exemple l'université par un département. Si l'université, par exemple, dit qu'il faut lancer le master à distance, il faut lancer les enseignements à distance, bon, pour vous, il faut l'appliquer, mais pour vous, ce qui est sûr, il y a des bénéfices. Mais pour vous, ce n'est pas évident de trouver facilement les bénéfices. Maintenant, c'est vous-même, vous allez opter à adopter l'enseignement hybride à partir de l'année prochaine. Vous allez, parce que c'est votre propre initiative, donc vous allez vous-même et rapidement et facilement tracer les objets et les bénéfices. Donc, si je parle niveau enseignant-université, nous, les universités-enseignants, c'est le top-down, enseignant-université, c'est le bottom-up. D'accord? Il y a une autre question. Vous voulez lancer une formation en ligne et vous avez besoin d'un ensemble de conditions. Vous avez un ensemble de conditions. Vous décidez de lancer une enquête en vue de contourner les contraintes. Lesquelles, parmi les rubriques suivantes, sont indispensables, c'est-à-dire les rubriques à mettre en place dans votre enquête ou dans votre questionnaire. La première, disponibilité de salles informatiques. Oui ou là non? Horaire d'ouverture des salles informatiques. Les horaires d'ouverture des salles informatiques. Existence des techniciens en informatique pour aider les apprenants. Pourquoi pas forcément? On laisse et on va répondre. Hein?
Non, c'est-à-dire parmi l'enquête, vous dites que est-ce qu'il y a des techniciens en informatique pour les aider à réaliser des activités? Accès à la bibliothèque. Connexion Internet. Distance entre lieu de résidence de l'université pour l'étudiant. Connexion Internet, oui. Distance. Accès aux espaces informatiques pendant les week-ends. Temps alloué à la formation, surtout pour ceux qui travaillent. Temps alloué à la formation, c'est-à-dire, vous dites aux répondants quel est le temps que vous pouvez allouer à la formation entre 5h et 8h, entre 8h et 10h, entre 10h et 20h, par exemple. Oui. Caractéristiques des ordinateurs. Donc là, la réponse, existence des techniciens en informatique, ce n'est pas évident parce qu'on ne va pas mettre une formation à distance qui a beaucoup d'aspects techniques et qui va en quelque sorte bloquer faire entrer l'apprenant dans un conflit face au matériel. Vous avez commencé cette formation ici, pratique pédagogique. Et normalement, on vous a pas demandé beaucoup de prérequis. Donc, c'était uniquement savoir utiliser l'ordinateur et puis c'est tout. On n'a pas demandé savoir écrire en HTML, savoir faire ça et savoir faire ça. Les autres, donc, c'est OK. D'accord. Une autre question, après avoir récolté toutes les informations pour le montage du projet, vous avez trouvé que la salle informatique dispose d'un nombre suffisant de PC datés de plus de 5 ans et qui peuvent répondre largement et servir, ou qui peuvent largement servir votre formation. C'est-à-dire Flanquette, le Github, le Kena, une salle. Ça datait de 5 ans. Vous avez demandé à votre responsable d'équiper la salle informatique avec des PC plus récents qui coûtent dans l'ordre de 15 millions, par exemple, afin de montrer aux apprenants, c'est-à-dire l'argument, le justificatif que vous allez ou que vous avez donné à votre premier responsable, afin de montrer aux apprenants que tous les moyens technologiques sont mis à leur disposition et à la disposition des étudiants, des apprenants, et que l'institution tient à cœur leurs apprentissages. C'est-à-dire Blair Annan. La question, le responsable accepte-t-il votre demande? Le responsable n'accepte pas votre demande. Pourquoi? Est-ce qu'il l'accepte ou il n'accepte pas? Pourquoi il n'accepte pas? C'est un budget, c'est du gaspillage, c'est un budget en plus. Analyse et structuration. Donc, après avoir établi donc, le schéma directeur, donc l'analyse des besoins, les démobilisatrices, les conditions d'insertion publique cible et les contraintes, vous allez commencer, donc vous avez tout le schéma directeur, vous allez commencer à récolter, à analyser, à structurer le contenu de vos apprentis, de votre formation. Et l'analyse, c'est-à-dire la récolte de l'information, ou l'élaboration des informations du contenu, passe par un effort assez important jusqu'à un effort moins important. Si par exemple vous aurez des informations diffusées et non structurées, c'est-à-dire vous allez chercher dans le web, j'ai par exemple, je vais enseigner le module, par exemple, je ne sais pas, maths pour mathématiques pour les ingénieurs. Je tape donc une requête via Google. Je vais trouver une centaine de documents qui parlent des mathématiques pour les ingénieurs.
Mais je peux facilement trouver ou là, je peux détecter que ce sont des documents, ce sont des informations non structurées, à gauche, à droite, sont pas ciblées pour un public, par exemple, pour les L3 ou pour les M1. Ça me demande un peu d'effort pour les restructurer. Je peux télécharger les documents s'ils sont fiables, mais je dois les restructurer. Et ça demande un peu d'effort. Si je passe, par exemple, à des informations structurées en fonction d'autres finalités, je cherche des mathématiques pour les ingénieurs, j'ai trouvé des documents qui sont structurés. Finalité recherche. Ce n'est pas finalité académique ou la finalité enseignement en graduation. Ça demande également un effort, mais moins par rapport aux informations non structurées. Si j'ai des informations structurées à des fins pédagogiques, et nous sommes là, j'essaie de chercher un peu partout. Il y a l'archive ouverte, par exemple, le cours en ligne, à travers laquelle je peux télécharger donc le. Je peux télécharger les cours structurés, les cours à des fins pédagogiques. Ici, l'élaboration du contenu va connaître un effort minime, jusqu'à ce que les informations structurées, en vue de l'auto-formation, puisque je vais lancer un enseignement hybride, j'ai trouvé maths pour ingénieur pour l'enseignement à distance, structuré et pour le but que je suis en train de monter. Dans ce cas-là, ça sera moins important. Après avoir récolté ces informations, les documents, il faut extraire une base de connaissances. C'est-à-dire, pour résumer la chose, vous avez signé votre PV d'installation, vous avez eu une affectation du 8e étage. Pour aller signer votre PV d'installation au niveau départemental, au niveau de votre département. Au niveau de votre département, il vous a donné le PV d'installation. Il vous a donné le programme de formation. Tiens, voilà le programme de formation. Que chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. C'est-à-dire, à l'intérieur, il n'y a pas les points. Si vous avez enseigné cette matière la première fois, vous ne connaissez pas cette matière par exemple, vous allez chercher sur le net, chapitre 1, il parle de ça, ta, 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 ta. Et vous allez trouver l'ensemble, vous allez essayer de les structurer, voilà un tel document que je vais utiliser dans, j'ai 5 documents, PDF, 5 vidéos, 5 PowerPoint, je vais les utiliser tous. Vous avez la matière brute. Mais vous aurez à préparer une base de connaissances. Comment les utiliser? Et comment les utiliser? Vous allez essayer de structurer, de séquentialiser votre matière et de mettre en place quelle méthode à utiliser. Tiens, ces 5 documents parlent de l'introduction générale. Donc, tiens, je vais parler dans un premier chapitre de l'introduction générale. Et puis, l'introduction générale, je vais essayer de parler un peu de l'historique. Tiens, donc je vais parler de l'historique, je vais parler de l'évolution chronologique, et puis à un moment donné, quelles sont les méthodes pédagogiques à utiliser pour pouvoir et aller transmettre convenablement l'historique ou ces informations quant à l'historique et l'évolution chronologique. Et puis vous allez tracer les objectifs, donc ça sera l'élaboration du contenu de la formation. Vous allez, la base de connaissances, vous allez mettre le contenu de la formation avec les objectifs et une organisation modulaire. Le premier, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le deuxième, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le troisième, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et ainsi de suite. Et vous avez ici, par exemple, une structuration modulaire d'un module. Je parle, par exemple, de l'unité 1. Voilà quels sont les objectifs. L'unité 2, l'unité 3. Pour l'unité 1, donc, je vais utiliser, on va voir ça tout à l'heure, l'approche expositive. Puis, je vais utiliser, par exemple, la même approche avec résolution de problème. Tiens, je vais utiliser la même approche et avec résolution également du problème. Donc, ça, c'est la structuration modulaire. Après avoir signé votre PV d'installation, le chef de département vous a donné un programme de formation concernant le cours informatique de base en anglais. Il vous a donné un cours d'information de base en anglais. Vous allez l'enseigner.
Pour cela, vous avez fait recours à la bibliothèque, à l'Internet, aux enseignants ayant déjà de l'expérience dans cette matière. Donc, vous avez essayé de chercher des livres sur la bibliothèque, vous avez essayé de chercher sur Net, de faire des entretiens avec des enseignants connaisseurs, des enseignants ayant de l'expérience. Quels sont les documents que vous voyez pertinents? Un, lors d'une recherche bibliographique sur le Net, vous trouvez un document d'une société commerciale parlant de l'informatique. Deux, en faisant une recherche à la bibliothèque, vous tombez sur un livre en anglais parlant de l'architecture des ordinateurs et qui contient un chapitre sur les constituants. Trois, un enseignant expert en informatique, vous parlez de son expérience quant à l'utilisation du langage de programmation pour les machines à commande numérique. Le module, c'est informatique de base en anglais. Il vous parle son expérience quant à la programmation des machines électriques. 4. Un enseignant expert en informatique, vous parlez des éléments nécessaires pour mieux comprendre les concepts de base en informatique. Essayons avec un autre exercice. Vous voulez maintenant, donc vous avez déjà récolté les informations, vous voulez maintenant organiser le contenu. Vous avez les informations. Vous voulez organiser le contenu du module informatique de base en anglais. Pour cela, vous avez tracé une carte mentale, comme celle déjà vue lors de l'activité 2. Mettre les éléments de votre carte qui appartient à la même branche. Je dis par exemple, voilà, c'est le module, le noyau principal, c'est le module, c'est l'informatique de base en anglais. Je vais faire sortir des branches. Je vais attaquer le chapitre 1. Le chapitre 1, où là, j'ai tracé quatre grandes branches. Une branche terminologie, une branche travail avec Word en anglais, ce sont mes chapitres. Un chapitre détecter les anomalies de fonctionnement d'un ordinateur et échanger en anglais. Ce sont les quatre chapitres. Maintenant, les trois chapitres, ce que je dois mettre, ce que je dois transmettre à l'étudiant. Je propose des étiquettes ici. A, sauvegarder un document. Dans quelle branche? Travailler avec Word. Citer les éléments de Windows en anglais. Grammaire anglaise. Pardon? Échanger en anglais. Où est-ce que l'anglais? Grammaire anglaise. Par rapport aux quatre cibles. La première, c'est terminologie. La deuxième, travailler en Word, avec Word en anglais. La troisième, c'est détecter les anomalies de fonctionnement d'un ordinateur. Et la dernière, échanger en anglais. La dernière. Les temps en anglais. La dernière. Problème de mise sous tension. Problème de mise sous tension, les problèmes d'alimentation. Mise en page d'un document Word. Imprimer un document. Problème d'interfaçage de l'imprimante. American English versus British English. Wayne? Deuxième? Ah, la dernière. Citer les fonctions de Word en anglais. Citer les constituants d'un ordinateur en anglais. Là? Voilà. Normalement, à tout à l'heure. Après avoir récolté les informations de cours informatique de base, vous avez élaboré les contenus.
C'est-à-dire, vous allez récolter toutes les informations, élaborer un contenu. Donc, première étape, les informations. Deuxième étape, le contenu. Troisième étape, les méthodes. Après avoir récolté les informations du cours informatique de base en anglais et après avoir élaboré votre contenu, la troisième étape, vous avez décidé d'adopter certaines activités d'apprentissage pour un meilleur transfert aux apprenants. Parce que, ben, nous chauffons le dernier atelier, la notion d'alignement pédagogique. D'accord? Le choix des activités d'apprentissage. Et vous dites que je vais faire des activités d'apprentissage autour de quatre axes principaux. Le premier axe, c'est la présentation des règles de rédaction. Deuxième axe, c'est le savoir communiquer en anglais. Le troisième, c'est citer les éléments d'un ordinateur en anglais. Et puis l'utilisation de Word pour écrire un document. Ce sont les trois axes à tester, les quatre axes à tester. Vous avez choisi certaines activités. La première, proposer un exercice sur l'utilisation de Word. La dernière, la première cible, présentation des règles de rédaction. La deuxième cible, savoir communiquer en anglais. La troisième cible, citer les éléments d'un ordinateur en anglais. Et la dernière, l'utilisation de Word pour écrire un document. Les étiquettes, la première, vous avez placé ça ou proposé un exercice sur l'utilisation de Word, vous dites que la quatrième cible. Présenter la terminologie. Présenter la terminologie. La troisième, laquelle? Citer les éléments d'un ordinateur en anglais. La deuxième, savoir communiquer. Êtes-vous sûr? Savoir communiquer, échanger en anglais. Et l'autre, c'est citer les éléments d'un ordinateur en anglais. La troisième, les collègues de la langue anglaise. Écoutez une scène. Écoutez une scène. Ça, la deuxième, réaliser un exemple sur l'édition par Word. Refaire un exemple sur la grammaire anglaise. Communiquer avec un camarade de classe. Refaire un hada. Donc réaliser un exemple sur l'édition de Word. Maintenant, bon, c'est un exercice à faire à part parce que ce n'est pas évident de le faire actuellement. Proposer une structuration modulaire. Proposer une structuration. Donc, vous êtes appelé maintenant à structurer votre cours informatique de base. Vous allez le faire. Proposer une structuration modulaire comme celle que j'ai déjà montrée. Ne pas tenir en compte les méthodes. Donc, vous allez le faire sur une feuille séparée et vous essayez d'apprendre ça. Par exemple, je commence unité 1, communiquer en anglais, séquence 1, grammaire anglaise, activité 1, ça d'où je maintiens la structuration modulaire. D'accord? Scénario pédagogique et interface.
Le scénario pédagogique, c'est une étape étroitement liée à la précédente. Parce que vous avez tracé le contenu, les méthodes, les activités, et vous voulez mettre en ligne tout ça pour que l'étudiant puisse tirer profit de votre conception. Donc, il faut prévoir un scénario pédagogique. Le scénario pédagogique doit contenir des activités. Où je mène un scénario pédagogique? Comment il va apprendre? Il va pas. Parce que la notion de mettre un PDF sur la plateforme et dire qu'on a entamé un enseignement en ligne, l'étudiant, il ne peut pas lire un document PDF, comprendre les choses et puis c'est tout. Il faut le rendre actif. Ça rentre dans la pédagogie active parce que le téléenseignement, l'enseignement à distance, ça rentre dans la pédagogie active. Le rendre actif, il faut proposer des activités à travers lesquelles il va essayer de mobiliser le savoir qui rentre dans la notion de savoir-faire. Et pour pouvoir proposer des activités correctes qui marchent avec la pédagogie active, deux principales. Choses doivent être respectées. La première, il faut que les... Bon, il faut, ça reste en quelque sorte selon la spécialité. Il faut que l'activité soit motrice. C'est-à-dire, si je prends par exemple les collègues qui font la mécanique, je peux par exemple, s'ils peuvent concevoir par exemple un système, je ne sais pas, un moteur diesel, et vous dites par exemple, donc ça sera sur scène, sur mes écrans, et vous dites par exemple aux apprenants quels sont les outils nécessaires par exemple pour desserrer ce boulon-là. Donc, ouais, il va en quelque sorte avec la souris, donc cliquer sur par exemple la clé X et la ramener à l'endroit. Une activité motrice comme celle qu'on a fait maintenant. Donc, enfin, c'est. Beaucoup plus mieux que ça, c'est essayer de faire des activités liées à la spécialité. Ceux qui font, par exemple, je pense que le département de la mécanique, je ne sais pas si vous avez l'avionique, vous avez master l'aéronautique. Voilà. Master en aéronautique. On n'a pas une plateforme là où il y a les avions ici. Donc, il faut prévoir, par exemple, un simulateur. Et l'étudiant essaye de faire des activités avec ce simulateur, des activités motrices. Et la deuxième chose, c'est la chose exacte, également très importante, une activité cognitive à travers laquelle il va mobiliser le savoir. Il va essayer de transmettre ce qu'il a appris pour résoudre un problème. Par exemple, si je fais par exemple, je parle un peu avec les technologues, je fais par exemple, je parle avec vous tous, vous avez par exemple à un moment donné appris l'utilisation de l'opale. L'activité, c'était produire votre cours. Imaginez que l'activité, c'était un QCM, c'est quoi opale, à quel niveau on peut mettre la division, à quel niveau on peut mettre le grain de contenu, quand est-ce que la balise fondamentale est nécessaire? C'est complètement démotivant. Il n'y a pas de mobilisation du savoir. Également, l'activité doit être significative et régulatrice, significative par rapport à la chose, par rapport à l'apprentissage, régulatrice, elle doit permettre à l'étudiant de corriger ses lacunes. C'est-à-dire ses lacunes. Vous avez, par exemple, je prends l'activité numéro 3 de l'atelier numéro 2 qui était l'élaboration de la grille d'évaluation par groupe. C'est-à-dire, l'activité, c'est analyser un cours à la lumière de la présentation. Essayer d'établir une grille
Et puis, à un moment donné, on a essayé d'attribuer donc des échanges entre les groupes pour attaquer la notion évaluation par les pairs. Donc, si l'activité n'était pas régulatrice, en analysant ou en essayant d'évaluer la grille d'un autre groupe, donc je ne peux rien tirer de ça parce qu'elle n'est pas régulatrice. D'accord? Je ne peux pas, par exemple, le premier groupe dit que les objectifs ou le cours à analyser a respecté le principe de polyvalence. Vous allez commencer à évaluer, vous allez trouver cette place. Elle n'a pas respecté la polyvalence. Hop, tiens, la notion polyvalence, je ne connais pas. Ça m'a échappé cette notion. Je vais revenir au cours pour revoir c'est quoi ça. Ça, c'est régulatrice. Maintenant, les situations d'enseignement-apprentissage. Comment enseigner? Bon, il y a tout un axe sur les méthodes pédagogiques, on va le voir la prochaine séance, mais on va essayer de vous donner quelques astuces ici. J'ai un contenu, quels moyens dois-je adopter? Quelle méthode dois-je adopter? Quelle situation dois-je adopter pour pouvoir le transmettre facilement à mes étudiants? Il y a trois approches pour le moment. Il y a ce qu'on appelle la méthode expositive. On essaie de voir l'exemple. L'enseignant présente la règle suivante. Les verbes conjugués avec l'auxiliaire être, leur participe passé s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Il a présenté la règle aux étudiants. Alors que ceux conjugués avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Ça, c'est la règle. Il a exposé la règle. Et puis, il a demandé aux étudiants de réaliser une simple activité. Il demande à l'apprenant de placer les étiquettes sorties avec E, sorties avec IES et sorties qu'avec I pour les phrases suivantes. Myriam et Lina sont. Bon, l'étudiant sont. Donc, il y a l'auxiliaire être. Aoud, il va essayer de voir la règle, s'accorde en genre et en nombre, et il va placer l'étiquette. Et puis, j'ai la feuille de ma poche. Bon, il y a l'auxiliaire avoir, donc il a la règle devant lui, il va essayer d'appliquer. D'accord? Le même exercice. L'enseignant présente les deux séquences, il n'a pas exposé la règle. Et il a présenté deux séquences avec ses étudiants. Il dit, les étudiants sont entrés en salle. Il a cité ces exemples. Deux, il a dit, les étudiants ont fait l'examen. Et puis, il demande aux étudiants le même exercice. D'accord? Le même exercice, c'est-à-dire eux-mêmes. Ils vont essayer de dégager les règles de l'exemple, des exemples cités pour les appliquer. C'est un raisonnement inductif. Et ça s'appelle la méthode par redécouverte guidée. Vous essayez de guider l'apprenant pour qu'il puisse découvrir la règle. La troisième, je cite d'abord l'énoncé. Dans un cours de recherche opérationnelle, ceux qui font les maths, l'enseignant a présenté des méthodes utilisées qui sont le chemin le plus court, c'est une méthode d'optimisation de recherche opérationnelle, l'affectation, l'ordonnancement, ça c'est le cours. Et puis l'apprenant est appelé par la suite à résoudre le problème. Il a un problème à résoudre. Le problème, trouver bon, une partie du problème. Trouver le chemin le plus court pour se déplacer de Constantine à Oran. Qu'est-ce qu'il va faire, l'étudiant? Il va aller chercher dans son sac quelles sont parmi les techniques, quelles sont les approches vues avec l'enseignant applicables pour résoudre le problème. Il n'y a ni la règle, ni la redécouverte. Ce qu'on appelle la méthode par résolution de problème. Vous allez mettre l'étudiant devant une situation réelle et c'est à lui de chercher quelles sont les techniques vues à la lumière des cours
pour qu'ils puissent les appliquer afin de faire sortir le résultat. Choisir des situations, un exercice. Pour les cours informatiques de base en anglais, vous avez déjà proposé une structuration, enrichir votre barre des situations d'apprentissage. Donc, exercice à faire sur une feuille séparée. Par exemple, la séquence 1, grammaire anglaise, je vais présenter par la méthode présentation des règles. Donc, la méthode expositive. Donc, vous essayez de faire ça par rapport. Maintenant, on est arrivé à la conception des interfaces. Il y a deux interfaces. Il y a deux interfaces, voilà. Il y a une interface de navigation. Il y a une interface cognitive ou une interface d'apprentissage. Si vous prenez la plateforme elle-même, la plateforme Telum, sur laquelle vous êtes en train de suivre votre formation, parce qu'on n'a pas conçu une interface de navigation. On a une plateforme. Vous allez cliquer sur connexion, vous faites entrer donc le mot de passe, l'identifiant username, allez à accompagnement pédagogique, aller à accéder au programme, cliquer sur la promotion 2020-2021, choisir votre session qui est celle de janvier, et puis aller aux ateliers, à l'atelier numéro 3. Jusqu'à là, vous êtes en train de naviguer dedans. C'est une interface de navigation. En entrant à l'intérieur, vous êtes dans l'interface cognitive. Maintenant, vous allez réaliser, cliquez sur le quiz pour réaliser. Vous êtes dans la phase d'apprentissage. Donc, il faut différencier entre les deux interfaces et l'interface de navigation. Allez, je donne la première activité. Moodle en mode étudiant. Pour vous familiariser à étudier Moodle. À utiliser Moodle en mode étudiant. Et vous n'avez pas reçu une note par rapport à cette activité. Est-ce que vous avez reçu une note? La maîtrise de l'interface de navigation ne doit connaître aucune évaluation. Parce que pour faciliter la tâche à l'étudiant d'utiliser la plateforme. D'accord? Bon, il y a la notion de réaliste et consistante. Bon, je trouve par exemple, pour un cours sur la communication en langue arabe, une interface de navigation contient une image montrant une salle de conférence intitulée Participer au débat. C'est réaliste. Donc, en mettant des images, vous allez mettre des images le cours TACOM. Les images que vous allez les insérer doivent être réalistes. Par exemple, pour le forum, je vais essayer de mettre des échanges, une image qui fait des réalistes et consistantes, c'est-à-dire l'apprenant en cliquant sur le lien se trouve dans un forum, mais s'il se trouve dans un autre endroit. Bon, on a déjà fait ça. La plateforme, c'est l'interface de navigation, les ateliers. Maintenant, la conception des supports multimédia, le système d'encadrement. Le support multimédia, j'ai déjà parlé de ça. On ne peut pas mettre un document PDF et dire que nous avons lancé un enseignement à distance. C'est vrai que certains étudiants ont la compétence de comprendre qu'avec le script, avec le texte, yani en lisant un texte, ben, avec le cas telle science, telle est langue. Certains étudiants ont la compétence de comprendre, de saisir qu'avec l'écoute. D'autres étudiants ont la compétence de saisir rapidement la chose à travers des graphes, des icônes. Et vous avez un ensemble d'étudiants. Vous ne savez pas qui sont les étudiants. Qui peuvent comprendre avec le script, qui sont qui peuvent comprendre avec l'audio, qui peuvent se comprendre avec l'iconique. Et si pour cela, des études en recherche de l'éducation ont montré que le script audio-iconique, le mélange entre les trois, va permettre à un large public de saisir, de comprendre, de développer ses compétences rapidement. Parce que vous allez essayer de toucher à tout le public. D'accord? Le système d'encadrement, ce sont les ressources, les espaces des échanges, les ressources d'aide, c'est-à-dire
On va voir le scénario d'apprentissage. Vous n'allez pas donner uniquement votre cours. Vous pouvez, par exemple, si vous prenez notre cas, on vous a donné un ensemble. À un moment donné, on vous donne quelques liens qui vont vous aider à. Et la dernière étape, c'est la production et l'insertion. Donc, vous avez le prototype et vous allez appeler les testeurs. Dorka, Femto, Alèche, on vous a demandé de remplir le formulaire testeur. À marteau. Parce qu'une fois vous réalisez votre cours en ligne, pour l'évaluer, il faut appeler des testeurs, des experts. Des anti-IC et de préférence des didacticiens pour vous dire quels sont les points forts et quels sont les points faibles de votre cours avant de le lancer, avant de le diffuser. Parce que si vous diffusez votre cours comme ça brut, il peut avoir un échec. Et s'il va avoir un échec, c'est bon. Donc la confiance entre vous et vos étudiants, c'est bon. De préférence, il faut le lancer après avoir corrigé tous les points faibles. Comme ça, même si vous lancez l'évaluation avec vos étudiants, c'est vrai, il y aura des choses à corriger, mais dans l'intégralité, la chose, elle est bonne. D'accord? Ça, c'est la phase de validation. Donc, on va essayer de voir un peu ce qu'on appelle le scénario d'apprentissage. Yani, le scénario d'apprentissage, entre guillemets, si je veux dire, c'est les mécanismes, c'est les espaces, c'est les techniques à travers lesquelles l'étudiant va apprendre. C'est le choix des stratégies d'apprentissage par rapport à un contenu. Il contient le rôle, les ressources, les services. Ces étapes peuvent être obligatoires et peuvent être facultatives. Obligatoires, par exemple, ils doivent réaliser ces activités, ils doivent échanger à travers le wiki. Facultatives, par exemple, ils peuvent, par exemple, consulter un lien Excel et réaliser une activité. C'est facultatif. Mais l'essentiel, c'est un ensemble d'étapes qui vont permettre à l'étudiant de tirer profit de ses enseignements et de le rendre actif. De le rendre actif. Quelles sont ces étapes? Pardon. La première étape, ce que vous allez mettre dans votre scénario d'apprentissage, c'est la nature du matériel soumis, ce qu'on va proposer à l'étudiant comme documentation, comme document, comme support, comme aide. Vous allez donner à vos étudiants des PDF, vous allez donner à vos étudiants des vidéos. Maintenant, la nature, donc, s'agit-il d'un matériel brut ou élaboré? Brut, c'est proposé par l'enseignant. Élaboré par l'étudiant lui-même. On parle de l'élaboration interne, externe. L'élaboration interne, donc, c'est un document élaboré au sein d'un groupe. On va voir un exemple par rapport à l'activité numéro 3. Et élaboré externe, c'était un document élaboré au sein d'un groupe utilisé par tous les groupes. La finalité du matériel, est-ce que pour apprentissage, je vous donne des vidéos pour apprentissage ou là pour information? Je vous ai donné des vidéos, par exemple. Sur l'Opal, comment utiliser l'Opal, c'était pour l'apprentissage. On vous a donné des vidéos sur Topaz pour information qu'il existe d'autres alternatives de Opal. Le système symbolique utilisé, est-ce que vous allez utiliser le script, l'audio, l'iconique, les trois? Le caractère prescriptif du matériel soumis, est-ce que c'est une prescription forte ou faible, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit des consignes à émettre? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, pardon, avant la deuxième étape, l'ensemble des vidéos proposées dans les différents ateliers sont des ressources brutes ou élaborées.
Brut. La grille d'évaluation établie lors de l'activité 3 à tous les deux est une ressource élaborée pour une utilisation externe, brute ou élaborée pour une utilisation interne. Loud. Utilisation externe, interne. Un groupe va réaliser une activité afin de l'utiliser dans les autres activités. Elle reste partagée entre les membres du groupe élaboration interne. Si le groupe a partagé son élaboration avec tous les groupes pour pouvoir l'utiliser, c'est une élaboration externe. Interne. Le concepteur pédagogique, après avoir disposé des vidéos et des ressources pour apprendre au PAL, a mis à votre disposition un ensemble de ressources indiquant les autres variantes des chaînes éditoriales. S'agit-il de ressources pour apprentissage ou l'information? Bon, pour l'enchaînement des tâches, et puis vous avez décidé quant aux documents à déposer. Ça, c'est parmi les étapes d'un scénario d'apprentissage. Vous allez maintenant décider quant à l'enchaînement des tâches, c'est-à-dire les tâches qui se succèdent. Il y a les modalités d'enchaînement des tâches. Soit on parle de la continuité. Une tâche, celle qui va venir après, elle est basée sur la première. C'est la continuité. Une tâche, une activité à faire, une autre activité à faire, une troisième activité à faire qui est en relation avec la première. C'est une discontinuité locale. Une activité à faire, une deuxième, une troisième, et on ne revient jamais à la première. C'est une discontinuité globale. Une activité qui va servir comme référent, une référence, un document avec lequel vous allez travailler, comme celle de la grille d'évaluation. Vous avez élaboré la grille que vous allez l'utiliser pour faire, pour la soumettre à la disposition de vos testeurs. C'est un référent. D'accord? Les critères d'enchaînement. Vous allez faire une première activité. Vous ne pouvez pas passer à la deuxième activité si un certain niveau de performance n'a pas été atteint. Il y a un blocage quelque part. Sinon, vous pouvez passer à la première activité. Par exemple, si je prends la grille d'évaluation, vous avez élaboré la première partie de la grille d'évaluation. Vous ne pouvez pas évaluer la deuxième partie, évaluer la grille de l'autre groupe, si vous n'avez pas déposé votre grille d'évaluation. Donc, il y a une production spécifique. D'accord. Vous avez réalisé la première activité, entre le 5 et le 12 janvier. Le 13, il faut commencer la deuxième. C'est temporel. Ça, c'est les modalités d'enchaînement. Vous avez déposé, bon, ici, c'est un peu, vous avez réalisé la première activité, la troisième activité, la grille d'évaluation. Vous avez mis votre grille d'évaluation pour vote. Si le vote n'a pas été atteint, vous ne pouvez pas la déposer. Bon, on n'a pas fait ça. Parce que d'accord, on n'a pas fait ça. Si le vote n'a pas été atteint, l'activité ne sera pas déposée. C'est un enchaînement par vote. D'accord? Dans l'atelier 2, le passage de l'activité 3, évaluation d'un cours en ligne, à l'activité 4, amélioration du cours, est soumis aux critères. Quels sont? Le passage de l'activité 3, évaluation d'un cours en ligne, à l'activité 4, amélioration du cours, est soumis aux critères. L'atelier numéro 2, il y a la grille d'évaluation. Après la grille d'évaluation, l'amélioration de votre cours. Bech, dès l'amélioration de votre cours, performance.
Vous avez le temps, la performance, le résultat du vote, la production spécifique. Şimdi. Le processus de réalisation de l'activité 4 de l'atelier 1. Le processus de réalisation, conception du cours Opal, activité 4. Vous avez réalisé l'activité 4 de l'atelier 1 et vous avez réalisé l'activité 4 de l'atelier numéro 2. S'agit-il d'une continuité, discontinuité locale, discontinuité globale? La continuité, c'est que l'activité qui vient, elle est en relation avec la précédente. Discontinuité locale, l'activité qui vient, elle n'est pas en relation, mais celle qui vient après la deuxième, elle est en relation avec la première. L'okhra, il n'y a pas de relation locale. Ou la première, temps, performance, résultat, production. Bon, l'organisation des groupes. Comment organiser les groupes? Vous allez opter dans votre disposition de formation à distance de mettre en place des activités de groupe. Il faut choisir les éléments du groupe. Bon, pour nous, la formation, vous êtes tous nos collègues enseignants, on a fait un choix aléatoire. On a fait aléatoirement le, parce que vous êtes des enseignants. Par contre, avec vos étudiants, vous n'allez pas le faire aléatoirement. Donc, il y a les modalités 4. Aléatoirement, donc vous allez choisir au hasard, 10, 10, 10, 10. Soit autonome, vous laissez le choix aux étudiants. Et généralement, il ne faut pas faire ça parce que les étudiants... opportuniste, opportuniste, ben, selon de certains paramètres, par exemple, là, géographiquement. Je donne un exemple. J'ai une salle d'étudiants. J'ai, par exemple, une vingtaine d'étudiants. Je sais, par exemple, que 5, que 10 étudiants, par exemple, sur 20, habitent dans la même cité universitaire. Donc, il est préférable de les mettre ensemble pour qu'ils puissent travailler ensemble. D'accord? Donc, c'est opportuniste selon certains paramètres. Raisonner, généralement, bon, il y a des recherches qui ont été faites. L'efficacité du groupe, quand est-ce qu'elle sera? Qui connaît des sujets moyen faible ou moyen fort. Il ne faut jamais prendre des sujets forts, forts, c'est-à-dire que les forts ensemble et que les faibles ensemble, ou là, les sujets forts avec quelques sujets faibles. Donc, même les TP, même en présentiel, il ne faut pas mettre ça. Parce que si vous mettez, par exemple, un binôme, quelqu'un qui est fort, ou un trinôme, deux qui sont forts, quelqu'un qui est très faible, à un moment donné, il va se retirer. Donc, il ne va pas travailler. Donc, il faut prendre, ça c'est les recherches du chercheur Webb en 1991, donc il faut prendre des sujets hétérogènes, donc moyen faible ou les moyens forts. D'accord? Pardon. Il y a les rôles, la répartition des tâches. Donc, il y a la répartition stricte. Donc, le tuteur, par exemple, un tuteur de groupe, c'est une répartition stricte. Mais le libda, c'est avec vous. Ou le libre, c'est par exemple si on vous demande lors de vos échanges, on vous a demandé, je donne l'exemple libre, on vous a demandé de choisir un responsable de groupe lors de l'activité numéro 3. C'est un choix libre, c'est à vous de choisir. D'accord? Dans l'activité 3, le choix des membres de groupe est qualifié aléatoire, raisonné, opportuniste ou autonome. Oui. Aléatoire. Le rôle de votre tuteur qui était modérateur lors de vos réunions permanentes, transitoires, strictes ou les libres. Kane, libre ou strict. L'atelier numéro 1. Votre tuteur, ou strict. On vous a proposé l'accompagnement de Madame Bohello, par exemple. L'atelier 2. Est-ce qu'on a changé le tuteur? C'est toujours le même. Donc, c'est strict et permanent. D'accord? Bon, ça, on va... Modalité de suivi. Il y a pour l'apprentissage.
Il y a trois types d'accompagnement. Le direct, c'est-à-dire le direct, c'est le tuteur qui va donner, c'est-à-dire l'accompagnement dans les apprentissages. Le coaching, donc la communication des informations, il n'y a pas vraiment un accompagnement. Par exemple, si vous prenez la première séance, je pense, de l'accompagnement, c'était pour vous donner les grandes lignes ou les lignes directrices pour suivre cette formation. Réactif. Donc, l'apprenant qui va envoyer un message aux enseignants, aux tuteurs, pour demander une séance. Proactif, c'est demandé par l'enseignant, par le tuteur. Il y a ce qui est important, le suivi. Vous allez, c'est-à-dire en tant que tuteur ou qu'enseignant, vous allez suivre vos étudiants et la réalisation des activités, le suivi. Est-ce qu'il est porté sur le processus de la réalisation de l'activité ou là sur le produit et le résultat final? Vous demandez par exemple à vos étudiants de faire un projet, l'approche par projet, de réaliser un projet de A à Z lors de son cursus, par exemple, en A1. C'était par exemple le montage d'une manipulation, la biologie ou un texte, la littérature. Donc, il est en train de faire la chose. En arrivant au terme, il a pu atteindre l'objectif, comme il a pu atteindre que 80%, comme il a pu atteindre les 50%. Est-ce que vous allez juger parce que 50%, donc il va avoir 10, ou là vous allez juger le déroulement du processus? Comment il a travaillé sa démarche? D'accord? Dans l'atelier de l'activité 3, évaluation d'un cours en ligne, votre tuteur fait appel à une réunion pour vous expliquer les étapes de réalisation de cette activité. On a déjà parlé de ça. D'accord. Proactif. Dans l'atelier de travail évaluation d'un cours en ligne, votre tuteur a mal estimé le travail du groupe. Entre les membres de votre groupe, et il fait appel à une réunion. S'agit-il d'un accompagnement centré sur le processus ou sur le produit? Lors de l'atelier de l'activité 3, évaluation d'un cours en ligne, le tuteur vous a envoyé un feedback et il a organisé une réunion pour discuter votre résultat. S'agit-il d'un suivi centré sur le produit ou sur le processus? C'est bon. Donc, c'est un tutorat direct. Coaching parce qu'il va vous faciliter, il va vous donner les lignes directrices. Proactif parce que c'est lui qui a initié le. D'accord? Les outils de structuration, de régulation, beaucoup plus on parle des échanges. Vous prenez par exemple les échanges les échanges proposés lors de l'atelier numéro 2, les deux forums, donc. Vécu étudiantin et pratique enseignante. Est-ce qu'il y avait des thématiques, des phrases, des discussions, des propositions par nos soins à travers lesquelles ou là, autour desquelles vous avez démarré vos discussions? On vous a donné une phrase, discuter autour de. C'est ce qu'on appelle ouvreur de phrases. Il ne faut en aucun cas laisser les forums Agda aléatoirement. Parce que ça risque que les discussions, les échanges, ça risque de connaître des déviations du sujet principal. Donc, discuter autour. D'accord? Je pense qu'il y a tout ça à dire. Bon, il faut penser également, donc on parle de temps réel, temps différé, donc le chat c'est synchrone, c'est temps réel, il reçoit direct sur place. Le temps différé c'est asymétrique également, on dit asymétrique, et plutôt le forum c'est différé.
Et il faut prévoir ce qu'on appelle les interactions symétriques et asymétriques. Sont pas tous les étudiants, c'est-à-dire les étudiants n'ont pas tous les mêmes moyens. Quelqu'un qui a par exemple un laptop, une connexion, un bureau, c'est pas comme une personne ou comme un étudiant qui habite dans un site universitaire et n'a qu'un smartphone par exemple, peut-être qu'il n'a pas même pas le smartphone. Donc il faut toujours prévoir et faire, comment dirais-je, des montages en tenant compte de cette notion symétrique et asymétrique. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Le premier, c'est toute une formation. Comment concevoir? Le deuxième thème, c'était autour du scénario d'apprentissage. Et le plus léger, ça sera le troisième. D'accord. Le troisième thème, ce sera autour des technologies éducatives. Donc, parmi les technologies éducatives, vous avez la notion de MOOC. Je pense que vous connaissez tous les MOOC. C'est quoi un MOOC? Est-ce que vous connaissez les MOOC? Pardon, je connais le MOOC. La plateforme France Université Numérique, FUN.org, je pense. Je connais la plateforme Coursera. Je connais la plateforme Udemy. Je connais la plateforme EDX. Donc, il y a les deux qui connaissent la plateforme. Coursera. La plateforme Coursera, c'est un ensemble de MOOC. C'est un ensemble de MOOC. Et vous allez vous-même concevoir vos MOOC lors de l'atelier numéro 4. C'est dédié uniquement au MOOC. MOOC, ce sont des cours ouverts, en ligne et massifs. Et vous pouvez compter dans un MOOC 3 000 étudiants, 4 000, 7 000 étudiants. Avec des activités, il n'y a pas d'accompagnement. C'est livré en eux-mêmes, les étudiants. Sont très fiables pour, par exemple, les prérequis. Par exemple, vous demandez des prérequis pour la grammaire française, la grammaire en général ou l'arabe, et vous trouvez que vos étudiants, par exemple, ne disposent pas de prérequis, vous allez les orienter vers, par exemple, la réalisation d'un MOOC. Et vous avez demandé de l'étudiant de ramener le certificat pour dire qu'il a ses prérequis. Parce que les MOOC, ce sont des séquences. Bon, actuellement, il y a des masters à travers les MOOC. Mais ça, c'est des micro-masters, des micro-programmes. Pardon. Les MOOC, pour qu'ils puissent, l'étudiant ou l'apprenant, suivre un MOOC, il doit avoir une capacité de s'auto-diriger, s'auto-évaluer, exploiter des ressources. Parce que il est seul devant la machine. À chaque fois, il trouve un. Et vous essayez de. Bon, j'ai mis ici EDX, donc pour ceux qui font l'anglais, donc EDX sont des cours, sont des MOOC en anglais. Les MOOC ont été initiés par l'Institut MIT, Cambridge. La plateforme EDX. Et actuellement, toutes les plateformes, même Coursera, même FAN, elle est autour de la plateforme EDX. Il y a même la MUN, Maghreb Université Numérique. C'est la plateforme du Maroc, Maghreb Université Numérique. Donc, le problème des MOOC, ou le problème dégagé par, ou constaté par les gens, par les chercheurs, c'est que est-ce que c'est l'étudiant lui-même qui a réalisé les activités? Est-ce qu'il a développé des compétences ou là, il a ramené que le certificat? Bon, il y a des techniques d'identification de l'identité pour le certificat validé, où il faut payer par exemple une somme de 300-400 dollars. Pardon. Et pour pouvoir réaliser les activités, il doit vous identifier. Comment vous identifier? Vous allez exposer votre passeport devant la CAM et puis vous-même devant la CAM.
Bah, ils déroulent le lien. Après 24 heures, ils vont vous envoyer un message disant qu'on a pu identifier votre identité. Il y a une autre façon, une autre technologie éducative, ce qu'on appelle les classes inversées. Et les classes inversées, c'est l'inverse, c'est inversé. Généralement, l'étudiant doit être doté d'un ensemble de ressources, généralement les ressources vidéo, même PDF, les cours que vous êtes en train de donner. Il va les consulter à domicile et vous faites beaucoup plus des activités et des exercices en classe, avec une classe inversée. D'accord? Sauf qu'il y a un effort assez important qui doit être fourni et déployé par l'enseignant. Parce que pour pouvoir tracer une carte des activités à faire et le contenu à suivre et les vidéos à suivre par l'étudiant pour ne pas dévier de l'objectif principal, il faut bien orienter ce processus et encadrer ce processus. Donc, il va fournir beaucoup d'efforts pour tracer une carte de cette classe inversée. D'accord? La troisième ou la quatrième, c'est la culture participative. Et la culture participative, il y a actuellement des plateformes collaboratives qui existent. Et les étudiants, vous allez. Si vous prenez par exemple, si je ne me trompe pas, c'est la plateforme Viaduc, VIADUC, Viaduc. C'est une plateforme à travers laquelle les apprenants, les étudiants, peuvent l'exploiter et échanger entre eux autour d'une thématique. Et ça rentre dans la culture participative, c'est un travail participatif et collaboratif entre eux. Il y a les grilles de correction élaborées par les enseignants, beaucoup plus la grille de correction est pour l'amélioration du français. C'est une technique utilisée pour évaluer les apprentissages. Je pense que la notion de badge, vous avez déjà vécu l'expérience avec la notion de badge. Donc l'étudiant, après un certain temps et après avoir donc réalisé et réussi ses activités, il va avoir un badge, comme le badge que vous avez eu lors de l'atelier numéro 1. Et la notion de badge, elle existe dans la vie quotidienne. Les primaires, ils s'appellent بطاقة استحسان. L'élève qui connaît Karamelech, à chaque fois, il a le بطاقة استحسان, un badge. Après un certain temps, il va récolter des points. C'est une technologie éducative, sauf que بطاقة استحسان, كانت بطاقة, ou d'autres coulettes, بطاقة استحسان électronique, un badge électronique. D'accord? Voilà, ça, c'est une vue panoramique par rapport aux technologies éducatives. Je ne sais pas si vous avez des problèmes par rapport à ces trois thèmes. Donc, et on a vu les étapes de conception des méthodologies pour une conception, méthode de conception des formations pour un enseignement hybride, conception des scénarios d'apprentissage et les technologies éducatives. Alors, on vous remercie d'avoir accepté cette invitation, d'avoir assisté à cette troisième journée présentielle. Espérons qu'on se retrouve dans de bonnes conditions dans la quatrième et la dernière journée présentielle qui se sera, Inch'Allah, après Ramadan, Inch'Allah. Barakallahu fikoum.